tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, la création des livres. Aujourd'hui, dans La vie d'Isa Conte, je voulais vous parler d'un petit livre que j'ai lu durant les vacances d'été, donc vers août plus ou moins, et qui m'avait plutôt plu, même si la fin m'avait laissé un peu perplexe. Allons-y! C'est le tout premier que je lis qui contient si peu de pages, une vraie première pour moi. L'inconvénient de ces romans courts, c'est qu'ils se lisent trop rapidement, mais c'est l'idéal pour une sortie au parc ou à la plage, par exemple. Donc, je vais vous parler de La Prédiction aux éditions Gallimard. C'est un texte plein de poésie, très imagé, qui reflète bien la vision de cette toute jeune Amazone qui se prénomme Pluie. Enfant issu d'une tragédie, d'un viol collectif et qui est rejeté par sa mère. C'est un texte empli de valeurs, comme la fraternité des sœurs amazones, de liberté mais aussi d'égalité. Mais plus encore, bien que de prime abord les lignes semblent défendre un point de vue extrêmement féminisme, elles dépeignent aussi un univers très cruel de femmes agressives aux coutumes aussi barbares que celles des hommes. Comme beaucoup de lecteurs, avant moi, je dois avouer que le résumé ne m'avait franchement pas emballée et que seul le rapport avec les Amazones et le titre m'a décidé à l'acheter. Petit livre, petit prix, je ne risquais pas de grandes pertes. Comme d'habitude, je vous donne mon avis qui est purement subjectif et qui découle de mon appréciation de lectrice. Je vous montre la couverture qui est assez jolie sans vraiment être originale. Elle nous montre notre héroïne Pluie avec ses yeux jaunes, pleins de détermination et son visage tatoué, une coutume typique des Amazones dans ce bouquin. Son titre m'a tout de suite attirée, La Prédiction, car seul ce mot inspire la magie, l'occulte, le surnaturel, des thèmes que j'aime retrouver dans mes lectures. Je vous lis le résumé. Une époque sanglante, un peuple de femmes à cheval, l'homme est l'ennemi. Depuis toujours, Pluie, baptisée ainsi par sa mère, est le fruit du chagrin. Elle s'efforce de grandir sans amour, d'apprendre à se battre, car à son tour, elle deviendra reine, c'est prédit. Mais Pluie est différente de ses sœurs, de tribu. Avec ses doutes, mais aussi son courage et sa sensibilité, elle découvre des émotions nouvelles et s'attache à un homme. Existerait-il d'autres voies que la haine et la guerre? L'étonnante histoire d'un peuple d'Amazones en pleine mutation. Un récit envoûtant, limpide et poétique qui soulève des questions fondamentales. Car comme je vous l'ai dit ici, il est purement question de liberté, de féminisme, mais aussi de culture. On y parle vraiment de sujets qui sont extrêmement sensibles, mais qui sont d'actualité, car on y traite de la liberté du genre. Mes premières impressions quant à ce résumé ont été rapides après la découverte de ces quelques lignes. Déjà, je le trouve bien trop long pour un si petit livre, je pense qu'il aurait gagné en attractivité avec des phrases bien plus courtes, mais plus accrocheuses. Pour moi, je pense qu'un résumé ne doit pas forcément révéler autant pour être efficace. Au contraire, ici on a l'impression que l'on liste les grands pans de l'histoire, c'est plat, le dernier paragraphe me fait plus penser au synopsis d'un documentaire plus qu'autre chose. Clairement, ce n'est que mon avis personnel, bien évidemment, ce résumé n'a aucune qualité et me donne l'envie de laisser ses pages dans son rayonnage. Mais ce défaut n'est pas le seul à prendre en compte, n'est-ce pas? Alors, qu'ai-je réellement pensé de ce court roman? Il m'a plu. Sans plus, je n'ai pas ressenti de grandes émotions en découvrant cette histoire. Nous découvrons ce monde au travers des yeux de notre héroïne, Pluie, une toute jeune Amazone rejetée par sa mère, la reine de son clan. Cette adolescente fera tout pour se montrer à la hauteur du futur devoir qui lui incombe, devenir reine à son tour. Le texte se révèle très imagé, ce qui m'a tout de suite attirée, car j'affectionne particulièrement cette forme littéraire. Ce que je trouve dommage, c'est la fin du livre, qui se termine par le premier changement bénéfique qui se déroule dans l'histoire. À mon sens, il aurait été plus logique de poursuivre la trame pour que le lecteur puisse profiter des efforts de notre protagoniste, Pluie. Du coup, on peut se demander où l'autrice, Alice Hoffman, voulait en venir avec ce livre. Quel message voulait-elle passer?
On ne le sait pas vraiment, car nous ignorons à quel point ces changements opèrent sur cet univers. Ce bouquin m'a laissé un petit goût d'inachevé. Mais comme je vous le dis, c'est un assez bon livre pour tuer le temps dans une salle d'attente, au parc ou à la plage. Et comme j'ai l'autorisation Gallimard pour vous lire quelques pages, je vous ai sélectionné un passage où il y a un petit peu d'action. C'est parti! Je me rends à la page que j'ai sélectionnée avec mon petit marque-page. Que voilà! C'est parti! Dans le cœur d'une reine guerrière, il n'y avait pas de place pour le doute. Elle se devait de savoir à tout moment qui elle était et ce que l'on attendait d'elle. Elle était intrépide, courageuse, meurtrière s'il le fallait. Lorsque les éclaireuses de ma mère lui rapportèrent que des hommes de l'Est se dirigeaient vers notre cité, elle se prépara au combat. Parfois la guerre venait à vous, mais parfois il fallait aller au-devant d'elle avant qu'elle n'arrive à vos portes et vous anéantisse là où vous viviez. Cette fois, je ne chevauchais pas aux côtés des femmes de la prophétie, mais aux côtés des guerrières. C'est ce que j'avais toujours appelé de mes voeux. Mais je fus parcourue d'un frisson, comme si l'hiver était déjà là. Je sentais quelque chose dans mon cœur, un poids, une pierre. Nous ne fîmes qu'une journée de voyage, c'est dire si ces hommes s'étaient approchés. Nous arrivâmes avant le lever du jour. Nous étions si nombreuses que la poussière soulevée par nos chevaux se voyait de notre cité. C'est en tout cas ce que les vieilles femmes restées sur place nous racontèrent plus tard. Qui sait si ces hommes de l'Est avaient entendu parler de nous et voulaient des femmes, à moins qu'ils n'aient pénétré dans notre territoire par erreur. Peu importe leurs intentions ou leurs souhaits, nous en avions aussi. À commencer par la volonté de ne pas perdre les nôtres. Nous étions des guerrières, mais il y avait bien des moyens de mener un combat. Nous connaissions des tactiques de guerre que les hommes ne connaissaient pas ou n'avaient pas imaginées. Nos guerrières attendirent dans la steppe, tandis que Cybèle et les femmes des abeilles approchaient du village dans l'obscurité. Elles dégageaient un parfum d'une telle douceur que le peuple de l'Est n'émergea pas de ses rêves. L'ennemi dormait profondément, bercé par le bourdonnement des abeilles. Cybèle et ses femmes firent pénétrer nos bonnes voisines sous le rabat des tentes par un entonnoir en bois. Au début, aucun homme ne remarqua leur présence. Tous continuèrent de dormir assez longtemps pour que Cybèle et ses femmes nous rejoignent, telles des ombres enjambant les rochers, traversant la steppe, chargées des rondins de bois qui servaient d'abri aux abeilles, désormais vides. Nos ennemis émergèrent de leurs tentes tous en même temps, hurlant, perdus, piqués par les abeilles. Ils paniquaient, une erreur pour des guerriers. J'entendis le cri de guerre de ma mère et galopai avec les femmes de mon âge, la faux de yo pointée à hauteur du genou. Je portais mes griffes d'ours, remontées jusqu'au coude. Ainsi, j'avais les poignets protégés et les mains libres. Même dans nos rangs, on me regarda différemment durant ce combat, comme une sœur ours. Je bandai mon arc et abattis deux de nos ennemis. Je ne les vis s'effondrer dans la poussière que du coin de l'œil, mais leur chute me poursuivit. Un bras levé en l'air, un bruit sourd, un cri qui s'élevait avant de se dissiper, telle la neige sur le feu. Mais je ne retirai aucune fierté de ce que j'avais fait. L'esprit d'Oucha avait dû me pénétrer, et moi seule savais qu'elle n'était pas une guerrière. Pas une ours véritable, mais un cheval. Je détestais le spectacle qui s'offrait à mes yeux, et en avais le cœur soulevé. Je ne supportais pas l'odeur lourde du sang. Alors que la bataille faisait rage, j'eus l'impression d'en être spectatrice, plus qu'actrice, voyant pour la toute première fois ce qui m'entourait depuis toujours. La douleur, le chagrin, la tristesse et la perte. Brutalement, que m'était-il arrivé? Avais-je été ensorcelée, affaiblie plutôt que rendue forte par les griffes du chat? Voilà qui clôture cette lecture de ce court extrait. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, cela vous donne un petit aperçu de la plume de notre autrice Alice Hoffman. Petit livre, petit avis, je ne peux malheureusement pas trop en dire si je ne veux pas vous spoiler. C'est un livre de 150 pages, c'est très court et du coup, il y a vachement moins à dire, cela va de soi. En tout cas, ce livre vous oblige à vous poser des questions quant à la culture, tant qu'à la liberté,
temps qu'à la façon de voir les choses par rapport à notre environnement. Il ne s'agit pas ici que d'un combat purement féministe, c'est un combat qui nous oblige à nous remettre tout simplement en question. J'espère en tout cas vous retrouver pour le prochain avis littéraire. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour vous tenir informé des sorties vidéo. Et je vous dis à très 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 bientôt. Bye bye.